Mouammar Kadhafi a-t-il trouvé refuge au Niger ? La question se pose depuis que des sources militaires françaises et nigériennes ont annoncé l'arrivée sous escorte militaire d'un important convoi de blindés libyens. Plus de 200 véhicules comprenant des officiers des bataillons de l'armée sud auraient regagné hier soir la ville d'Agadez, dans le désert du Niger. Selon ces mêmes sources, ils auraient rejoint ce pays via l'Algérie et pourraient servir à l'ancien leader libyen et à son fils Saïf al-Islam à se rendre au Burkina Faso, un des rares pays à leur avoir proposé l'asile. Alors tentative de diversion ou rumeur de plus, le porte-parole du guide Moussa Ibrahim a déclaré de son côté que Mouammar Kadhafi se trouvait toujours en Libye. Il n'a pas quitté le pays, affirmait-il hier soir à la télévision syrienne. Notre leader est en excellente santé et il est très serein. Il se porte comme un charme et se trouve dans un lieu sûr en Libye qui ne peut pas être atteint par des rebelles hargneux.